Tiens, tiens, tiens. Yo, salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui, vous l'avez deviné. Eh, on va faire quoi? Un atelier peinture. Ouais, j'ai trouvé que ça. Pour faire crari, j'étais un peintre. En vrai les gars, je vais pas le garder très très longtemps. Ça tient ta guetture les gars. Petite plume, en plus ça me chatouille l'oreille. Je vous jure, ça me chatouille l'oreille. Ça fait du bien, je suis resté vraiment 5 minutes avec ce truc. J'étais en sueur. Bon les gars, aujourd'hui du coup vous avez deviné, je viens de le répéter, c'est de la peinture. Alors les gars, faut savoir que j'ai zéro expérience en peinture. Zéro expérience, je crois que j'ai dû peindre une seule fois dans ma vie. C'était il y a 2-3 ans, voilà, c'est parce que c'était obligatoire. D'ailleurs si vous voulez que je vous la montre un jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En vrai ça va, j'étais plutôt satisfait, ça va. Ok les gars, donc ce que je vous propose du coup, c'est d'en premier de regarder un mec qui est ultra chaud, que j'ai trouvé qui est ultra chaud. Donc moi du coup c'est de la gouache, je crois que la peinture c'est de la gouache. Ouais, studio gouache, j'ai tout préparé là. J'ai un petit setup peinture, attention, avec une petite caméra ici, hein, ça en fait plaisir. Et du coup, on va commencer du coup par regarder un mec qui est assez chaud. Et ensuite on va suivre un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Et on va voir le résultat que je vais faire à la fin tout simplement. Voilà. Alors c'est parti, voyons voir. Du coup la chaîne c'est Mini Small. Voilà. Si vous voulez aller check, s'il y a des hommes d'artistes par là, allez voir. En fait j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais ça va donner un truc de fou. Moi je fais ça, ça ressemble à rien, c'est ça qui m'énerve. Là c'est carré, ça fait vraiment genre des arbres. Alors qu'il a fait en mode bah les couilles. C'est ce genre de peinture en plus que t'achètes, tu sais, au bord de mer et tout quand tu pars en vacances. Les artistes vendent ça à 20-30 balles. Alors que ça leur prend vraiment 2 secondes à faire. Prendre, j'ai pas compris là, il y a un bol d'olive. Regardez comment elle peint. C'est incroyable. Ah ouais, ça se voit, il y a de l'expérience. Wow. En fait c'est abstrait et en même temps genre je sais pas, genre tu reconnais et c'est un peu flou et je kiffe bien en vrai ce style. En vrai tu sais que les gars je m'intéresse à la peinture, je sais pas pourquoi, je m'intéresse à la peinture. Oh c'est grave, elle est forte. Ah ouais, c'est un rocher en fait là aussi, il y a une rivière qui passe au milieu. Moi jamais de la vie je vais réussir à faire un truc pareil les gars, ça fait le impossible. Enfin, en tout cas les gars je vais tout donner, d'accord. On se retrouve du coup maintenant sur la chaîne de Imagina Mandine, voilà, donc voilà 33 000 abonnés. Ça fait plaisir, elle est plutôt dans le game de la peinture assez élevée, tu vois. Donc là du coup on va suivre son tuto pour faire un clair de lune. Ok. Ok, donc on sait même pas quelle couleur faut préparer. Du coup là je crois que c'est du noir, non? Ok, là il faut du noir en haut. Ok, donc en gros il faut mettre du noir sur la première ligne en haut et mettre la ligne d'horizon où est-ce qu'on veut la mettre. Ok, alors du coup il faut que je prépare la peinture noire. Peinture noire. Allez c'est parti, il nous faut du coup le noir. Enfin, je vais toutes sortir les peintures. Hop là. Donc du coup là les gars, j'ai la peinture noire. Et du coup je sais pas du tout s'il en faudra beaucoup. Donc je vais en mettre un petit peu. Juste ici tu vois. Le petit pinceau. Je crois qu'il faut tout le temps mouiller le mieux. Voilà, c'est ce que j'avais appris. On sait jamais. Donc on va étaler la peinture. Alors ça va être assez long de faire comme elle. On va faire comme ça. Tac 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 tac. Ça bouge trop, c'est horrible. Les gars ça va être ultra long. Attention hein. Rien que pour la première étape ça va prendre taquet de temps. Picasso is in the place. Les gars, je vais voir si j'ai pas un plus gros pinceau parce que ça va être ultra long sinon les gars. Bon les gars, j'ai trouvé un autre pinceau. Bon, il est plus épais mais il est aussi beaucoup plus démonté. Voilà, il est éclaté. Bon, on va essayer que ça fasse l'affaire, d'accord. On va essayer de faire un truc bien quand même. Allez, c'est parti, ça va aller plus vite comme ça. Je sais pas du tout si la gouache faut la mouiller ou pas. Je connais pas du tout. Elle fait un zermain, un truc comme ça hein. Ouais, c'est ça. Je kiffe trop tourner des vidéos comme ça. Genre, c'est ultra cool à faire. Ok, on en met vraiment bien en haut. Pour pas qu'il y ait de trou blanc. J'ai un tuto là en vrai. Alors tu claques au sol. Et elle a dit de faire une ligne d'horizon aussi. Avec le pinceau, je vais mettre là. Ok les gars, donc la première étape elle est faite, on va voir la deuxième étape, ce qu'il faut faire, j'espère j'ai pas de peinture pour le casque. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc là il passe du bleu maintenant. Oh ouais, en gros il faut faire un dégradé du bleu et du blanc après. Ok, donc faut que j'arrive à faire un dégradé du bleu vers le bleu très blanc. Donc là faut que je fasse du bleu. Donc là du coup faut que je prenne de la couleur bleue. Oh c'est satisfaisant. J'hésite à remettre quand même bien comme il faut du noir en premier. Comme ça y a pas... J'espère vraiment que ça va pas bugger. Allez, on fait un truc foyer aujourd'hui. Je me suis chauffé là, petite peinture aujourd'hui. Allez, là ça va être propre comme ça. Allez, je prends le bleu, on va voir si ça fonctionne. J'ai peur de merder. Ok, allez, on fait comme ça. Ok. Wow, la couleur en vrai elle est stylée les gars. En vrai la couleur elle est stylée ou quoi? Allez. Ça va rendre bien non? Oh les gars, je suis en train de me chauffer je crois. Ok, donc ça descend vraiment jusqu'à là à peu près. En fait, le trait, il est là. Merde, j'ai mis trop peut-être mon trait. Quelle elle a mis vers là le trait? Attends, je vais refaire mon trait d'horizon. Je vais le mettre là.
Ok, là c'est mon nouveau trait d'horizon. Les gars, j'ai pas envie de faire une connerie, je vais aller nettoyer le vert comme ça. Y'a pas de noir à la place du blanc. On prend pas des risques aujourd'hui. Ok les gars, c'est bon. Alors, maintenant faut que j'arrive à faire un dégradé vers le blanc. Enfin, un dégradé sans rien, je pense. Et là, du coup, faut faire un bail comme ça, je crois. Comme ça, ouais, ouais. Oh, ouais, je suis chaud ou pas? Je suis chaud ou pas là? J'ai l'impression que ça va marcher là. Là, je suis là pour le moment, là je suis chaud, ouais, j'ai l'impression. Là on est à peu près pareil qu'elle. Là on est d'accord, on est à peu près pareil qu'elle, sauf que le bleu il est pas pareil. Moi c'est pas la même, le même bleu, mais ça commence pas mal. Là ça commence pas mal. Là je suis là pour le moment, les gars. Attention, je suis chaud, ok. Oula. Alors voyons ce qu'il faut faire ensuite. Ok, donc là faut mettre du coup les étoiles. Ça va être de la peinture blanche. Ah ouais, ok. En gros, faut mélanger ton pinceau et le mouiller et ensuite faire. Ok, alors on va tester ça, les gars. J'espère que ça va paniquer mon dessin. J'espère que je vais pas en foutre surtout derrière mon mur. Ok, c'est bon. Ouais, il en faut pas beaucoup. Hop, on va reprendre ce pinceau. On va à peine le mouiller. Et maintenant, on va faire la technique là. Mec, j'ai peur que ça me nique mon dessin. Allez. Oh non, j'ai fait de la D. Oh, je fais de la merde. Ok, allez. Oh, si, ça y est, j'ai le coup. Free ou pas en vrai? Ah, en vrai là je me suis loupé là. Mais en vrai ça va, dans l'ensemble ça va, on est d'accord. J'ai réussi un peu à faire l'effet. Ok les gars, donc après avoir fait les petites étoiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi tout. Je vais faire un noir. Ok. Ok, donc elle va faire ça. Mais ouais, c'est un paysage du coup. Ok, donc c'est une montagne en fait. Oh putain, j'ai peur de niquer mon dessin. J'ai peur de fou. En gros, bah ouais, on fait une montagne quoi. Ok. Alors attends. En premier, je vais faire la délimitation. Donc il faut partir à peu près de là. Aïe aïe aïe. Enfin, à peu près la même chose qu'elle. Ok. Et après, ça remonte vers l'extérieur. Alors attends. T'as là, mon gars. Je sais le faire. Tac, 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 tac. Voilà. Et voilà. Ok. Donc, maintenant, toute cette partie là, faut que je la mette en noir. Donc on va prendre le gros pinceau. Alors, c'est parti. Hein. Je prends ça à l'arrache, on dirait. Alors qu'en vrai, je m'applique. Les gars, vraiment, je m'applique. Ça qui est triste. Les gars, est-ce que pour le moment ça va? Est-ce que les gars, pour le moment ça va? Bon. C'est pas fini. On a enfin fini de remplir. Mais c'est long en fait, les gars. En vrai, les gars, c'est long à faire. On dirait pas, mais c'est tellement long à remplir. Et en vrai, ça va, les gars, non? En vrai, ça va ou pas? De vrai. Est-ce que j'ai d'être ça? Est-ce que j'ai d'être ça en vrai? Donc, les gars, j'ai fini avec cette étape. On va passer à l'étape d'après. Pour le moment, en vrai, ça va en vrai ou pas? Le petit dégradé derrière la montagne et tout. Avec les étoiles. Bon, les étoiles, je crois que c'est le truc que j'ai loupé. Non, mais en vrai, ça le fait la montagne. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Je me débrouille pour une première fois. Plutôt satisfait là pour le moment. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Voyons la suite. Ah, il y a une lune. Oh, grave tard. Ok, donc faudra vraiment pas dépasser. Ok. Pour faire genre les cratères. Ok, bon, on va tester. Hein. Bon, on va s'attaquer à la lune, les gars. Je sais pas si c'est assez sec, mais on va tenter. Du coup, il faut du blanc. Bon, on va faire comme ça. On va faire un bail, genre, hop. Un truc comme ça. Ouais, c'est parti. J'espère que je vais y arriver, parce que là, sinon, je nique tout mon dessin, les gars. Ok, un truc rond. Alors. Je sais pas si elle est ronde. Je sais pas du tout si elle est ronde, les gars. Bon, on va voir. On va voir, façon. Je pense que le vert. Il aurait fallu le faire avant le noir. Comme ça, après, tu passes par-dessus. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Mais, ouais, ok. Et là, maintenant, faut que j'arrive à faire. Genre, il y a des bugs dans la lune, t'as vu. Et je pense qu'elle est pas assez ronde. Je pense que là, il faut que je continue un peu. Je vais continuer un petit peu vers le haut. Hop, j'ai peur de niquer et tout. Salvador Dali ou pas maintenant? Non, en vrai, ça va. Pour le moment, ça va. Je suis plutôt content là. Pour la première. Ah bah, en vrai, ça va, non? Non, en vrai je sais pas les gars. En vrai vous en pensez quoi? Ça va, hein, je suis content là. Je suis plutôt satisfait là. Bon, j'ai fait ça quand même en 40 minutes. Regardez, je le rapproche un peu. Petit dégradé, petite poussière de lune. Ok les gars, donc maintenant on va passer à l'étape supérieure. On va dessiner du coup un nouveau truc. Et là du coup c'est sur Titeuf que j'aimerais le faire. Voilà, j'aimerais faire Titeuf. Je vais essayer de le peindre, je sais pas si je vais y arriver, c'est un petit défi. Je pense pas, mais on va quand même essayer. C'est parti, je prends une nouvelle feuille du coup. Ok les gars, donc je vais finir de faire Titeuf. Est-ce que vous voulez voir le résultat tout de suite ou pas? Attention, je fais un petit peu de suspense parce que œuvre d'art. Ok, 3, 2, 1. C'est pas juste. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et Titeuf, voilà. Non, en vrai les gars, je me suis loupé complet, frère. Là, en vrai, on reconnaît, mais c'est claqué, frère.
La couleur, il n'y a rien qui va. Ça, c'est dégueulasse. Là, ça a bavé. Là, on dirait qu'il bigle. Là, c'est la dèche un petit peu là. Je pense que le plus dur, en gros, les gars, quand on pince, je pense, c'est les proportions. Et c'est trouver les couleurs aussi. Les couleurs pour genre, quelle couleur il faudrait pour ça. Il m'aurait fallu du beige. J'ai pas réussi à faire du beige en fait, tu vois. Et du coup, bah, ça a fait la couleur de chiasse d'oiseau. Alors, les gars, je vais faire découvrir ça à ma soeur. On va voir un petit peu sa réaction, les gars. Ok, je vais lui montrer celui-là en premier, d'accord. Bon, je vais lui montrer celui-ci en premier. On va lui montrer la première. On va voir ce qu'elle en pense. Ok, tu peux te retourner en 3, 2, 1. T'en penses quoi? Oh, c'est terrible. En vrai, ça va, non, lui? Okay. En vrai, ça va. Moi, je suis content, tu vois. Trop beau. Genre, ça a fait un dégradé. Du coup, ça va ou pas? J'ai bien fait? Ouais, en vrai, c'est trop. Ok, après, du coup, j'ai essayé d'inventer un truc, ok? Ouais. De dessiner le personnage que tu connais. Normalement, tu vas le reconnaître. Regarde, il est taille de bien fait, là. Ah, Véronique, c'est un aparté. C'est quoi, ouais, c'est quoi? Ah. Il a la... On dirait qu'il est malade. Ah, c'est sympa, ça. Ok, tu mettrais combien du coup, au 2 sur 10? En premier, je mettrais franchement 8,5 parce qu'il est tard. 8,5? Bah, moi, les gars, je vais le faire gagner, je crois. Et lui, 2 parce que t'as essayé de faire un truc original. Bah, du coup, je te donne un petit taf si tu veux. Donnez-moi. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis tout mon cœur à l'ouvrage, ok? N'hésitez pas à lâcher un maximum de petits pouces bleus de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager à tous tes potes, très important. C'était ONX, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. En vrai, il est pas mal.